Grégory Debert, Europe Écologie des Verts, et donc candidat pour la NUPES sur la première circonscription du Finistère. Et très heureux et enthousiaste de nous voir rassemblés aujourd'hui. Député à l'Assemblée nationale, je défendrai particulièrement la règle verte. La règle verte, c'est le principe selon lequel on ne prend pas la nature plus qu'elle est capable de reconstituer. Et c'est aussi ne pas produire plus de déchets qu'elle n'est capable d'en absorber. Concrètement, ça se déclinera d'abord par la définition collectivement avec l'ensemble des citoyens, par référendum, de ce que sont les communs. C'est-à-dire ce qu'on met au-dessus des lois du marché. Ça rappelle une petite phrase qu'Emmanuel Macron avait prononcée pendant la crise du Covid et qu'il n'a évidemment pas respectée par la suite. Les communs, ça peut être l'eau, ça peut être l'air, l'alimentation, ça peut être les forêts, la santé, etc. Ensuite, nous mettrons en place un grand plan de planification écologique. La planification écologique, les priorités seront déterminées également en consultant tous les acteurs à tous les niveaux, du niveau local au niveau national. Nous interdirons les grands chantiers inutiles ainsi que la surpêche. Nous défendrons une agriculture paysanne non productiviste pour préserver la biodiversité, pour préserver la santé des hommes et de l'environnement. Par ailleurs, nous soutiendrons activement le 100% énergie renouvelable d'ici 2050, avec une attention forte qui sera portée en matière de sobriété énergétique et en matière d'efficacité énergétique. Nous mettrons en place un plan massif en faveur du ferroviaire. Et autre exemple, nous lancerons un grand plan d'isolation et de rénovation des logements, 700 000 logements par an, ce qui permettra de réaliser des économies d'énergie considérables ainsi que des économies financières pour l'ensemble des ménages. À noter une précision importante, c'est que l'État prendra le coût de ses travaux en charge à 100% pour les ménages les plus modestes. C'est bon ?